Il suffit d'une fois. Allez, c'est parti. Les affaires tournent normalement. Achète. Ah, achète, qu'est-ce que je te dis, moi. Ton son de cloche, il s'appelle... Je... Tu me poses une colle, je sais même pas comment il s'appelle. Enfin, si, c'est marqué sur le... Sur la discussion. Faudrait que je la retrouve, faudrait que je regarde. Je suis au troisième CD, oui, j'ai réussi à régler le frisou. J'ai mis les plugins, comme m'a dit... Oui, c'est Blazer, c'est ça. Comme Blazer m'a dit, en fait, j'ai mis des plugins supplémentaires juste pour passer le... Juste pour passer ce petit truc. Et hop, après j'ai glissé. Du coup, là il me faut de la thune. Donc tout ça, j'en ai pas besoin, ça dégage. Ça dégage. Tout ceci dégage. Ok. Ouais, bah c'est... Enfin... Je sais que c'est un mec, un peu dans ce style, quoi. Enfin, le nom, je me rappelle plus, mais ouais. Après, les mecs, s'ils m'enrhument, ce que je te dis, moi j'ai rien à perdre. Hein. Allez, impeccable, j'ai des sous. J'ai des sous! Blazer, the best for it. Celui qui passe des Vanessa Booth joue à LOL, partenariat avec 20 abos. Mais c'est pas interdit cette connerie de sortir ses nibards, je comprends pas quoi. Je regarderai. Ça marche. Bisous c'est le coach, merci d'être passé. A bientôt les bisous. Moult kiss. Armure de légende. 10 000. Ah oui, mais zéro en défense magique, non. Tombe sur un magicien, il te pulse. T'explose, quoi. Tu es une nourriture pour eux. Ouais, si, mais souvent ça te garde, mais enfin. On se fait des partages de... Des partages de bons views. Ça qui est bon. Et ça c'est beau. Sortage de Nibar ou pas, tant que le chat t'amène du monde. Je sais que c'est vendeur. Ouais, mais je suis pas aussi catégorique que ça, moi. Je ne suis pas aussi catégorique que ça. Vraiment pas, quoi. Et merci Dan Bergen pour le host, des bisous, bienvenue les gens, bienvenue sur le marathon le plus intempestif du rétro gaming français. C'est pas moi qui le dis, c'est Télé 7 Poche. Très bel article. N'hésitez pas évidemment à aller cliquer sur le cœur de Dan Bergen aussi. Il le mérite. Yoako, comment on va? Bah écoute, merci, y a rien de plus plaisant que d'entendre ce genre de choses. Oh si, recevoir un chèque d'un million de dollars, ça peut être bien aussi. Je me suis mariée l'autre jour, je suis follement heureuse. Nous avons été bannis par Monseigneur D, je suis tellement... oui, t'es tellement... Tu es trop même. Haha, file. Voilà, bim, un peu de pub. Aussi chèque, mais on le prend tous. Ouais, écoute, ça va nickel, ça marche. Bon débrief, des bisous. Bonne nuit ailleurs, des bisous. Le jeu Silent Hill, non, il est pas très long. Bon, on va dire, si vraiment je prends mon temps et que je m'amuse, 6 heures. Mais normalement non, Sandard. Normalement non, peu importe ce que tu fais, il y a des règles. Elles sont là pour tout le monde. On va faire un petit dodo. On va faire un petit pion sage.
Ouais, 50 pièces d'or, ça me va. Ça va très bien. J'ai fait ma première demande de partenariat. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, je sais très bien ce que ça va donner. Ça va être un non négatif. Ou un oui mais. Oui mais non. Bon, après quand tu connais bien le jeu, il est assez rapide, hein, Silent Hill. Je me rappelle plus trop, mais ça va. Ça va, ça va. Bonjour. Silent Hill, jeu de l'amour, évidemment. Enfin, c'est difficile de ne pas aimer, on va dire. Ça va être un oui merde, non, non, non. Bah oui, bah écoute, on verra. Hein. On verra, Sundar, honnêtement. Ça va est en cours, mais plus tard. J'ai rien à perdre, tout à gagner. Bon, c'est ce que je me dis. Hein. J'ai rien à perdre, tout à gagner. Ouais, ouais, mais c'est ce que je disais à Sundar d'Aku, en fait. J'ai eu un échange avec un admin qui m'a dit que, voilà, en fonction de ce que je faisais et compagnie, voilà, vu qu'après, les vues générales font que monter, enfin, il y a plein de trucs qui montent, il m'a dit qu'il fallait tenter. 9 refus. Mais ne t'arrête jamais, Sundar, ne t'arrête jamais. On sait jamais. Demain, on rase gratis. Bonne nuit, Geoffroy, des bisous. Merci des soutiens indéfectibles, les gars, des bisous. Ouais. Comme je dis, j'ai rien à perdre, tout à gagner. On dit que l'arbre divin qui vit dans notre cœur et le dernier fruit ont été protégés, évidemment. Je me demande quand j'avais plus ou moins 70 joueurs. Ouais. Et on entend parler Voli. Hein. Selon la légende, quand le souhait est rompu, la fin du monde approche. Tout comme le dernier fruit, nous autres humains descendons de l'arbre divin. Non, après, au pire, ça aura juste servi à me faire connaître de leur réseau. Paf. Donc c'est cool. Donc chasser le mal de notre cœur et vivre honnêtement. C'est la mission qui incombe aux fruits de l'arbre divin. Ok. Mm-hmm. Oh carrément. Oh non mais moi je serai pas déçu, t'inquiète pas. Je m'en fous des pubs, je veux le barbecue géant au sud de la France. Carrément, carrément. À 100 000 follow, je fais un barbecue géant. Le truc de merde. Un arbre divin. Jamais entendu parler. Nous ignorons toujours les objectifs de Lloyd. Toute information peut être utile. Oh, vous devez être des voyageurs. Bienvenue à Délingrad, je suis l'évêque d'île. Je sers l'arbre divin. Je m'appelle Dart. C'est de ce dessin que vous parlez? En effet, c'est l'arbre divin. Tel que nous l'imaginons. Personne ne l'a jamais vu. Mais cela ne nous empêche pas d'y croire. Il permet de vivre dans l'harmonie. Il paye la vie à tout le monde. Oui, bien sûr, ouais. J'y crois tellement fort. Souhaitez-vous en apprendre davantage à son sujet? Non, merci. Dart, pourquoi tu dis cela? Bah, j'ai cliqué, j'ai pas fait exprès. L'arbre divin nous mettra peut-être sur la bonne voie. Oh, Dart, tu es pitoyable. Le savoir ne se révèle qu'à ceux qui le désirent. Tant bien, j'aimerais devoir sauver. Ouais, allons-y. Je vous dis, hein, moi, c'est ça, c'est... Venez. Je vous trouve un bon camping. Un bon camping de l'amour. Je doute les 100 000 follow en octobre. Ah, mais dommage. Dommage pour le barbecue. Mais écoutez, une histoire ne pourra pas nous faire de mal. C'est vrai. Je me faisais du souci au sujet de Lloyd, mais si vous insistez, nous pouvons écouter l'évêque. Bien, écoutons donc l'histoire de l'évêque, d'accord? Bon, je voulais gagner du temps, finalement j'en ai perdu en disant non. Je retire ce que j'ai dit, racontez. Oh! On se fixe! L'arbre divin est celui de la vie.
Toute vie vient de cet arbre divin. C'est vrai. Au commencement, la terre était entièrement déserte. Quand Soa le créateur descendit des cieux. Ah oui, c'est l'heure de la clope. Ah merde ! Thunder, merde. Ah oui, faut demander un permis pour le lien, parce que ça a été le bordel déjà. Attends, je te mets un petit unban. Je te mets un petit unban. Hop. Et du coup... Tiens. Ouais, faut penser à demander. Faut penser à demander pour le lien. Tiens, t'as un permis. Tu peux l'envoyer. C'est pour éviter les bordels. Les spams de liens. Bon, tu me diras, ça arrive deux fois. Mais bon. J'aime bien qu'on me demande. Il y a un petit côté chouette. Sema une graine dans la terre. La graine poussa, puis devint un grand arbre. Oh, c'est pas grave, c'est moi. Enfin, bref. C'est presque beau, hein. C'est dommage, hein. Ça s'est joué à ça. Exactement 108 fruits. Des fruits mûrs apparurent plusieurs formes de vie. 108 fruits, c'est les 108 étoiles de Suikoden. Les 108 formes de vie. Je veux jouer à Suikoden. Le monde était créé. L'arbre divin avait joué son rôle. Mais on raconte que l'arbre est toujours sous le sceau de protection du créateur Soa. Cool. Ouais, on est sur le CD3 là, ouais, Darkness. On est sur le CD3, donc ça avance bien, je suis assez content. Les belles enjaillades. Le plaisir. Bon, du coup, c'est cool, on a plus de drop, on n'a plus rien. Donc c'était bien le téléphone qu'il fallait redémarrer. C'est pas bien grave. La destinée du monde a été déterminée par Soa. L'arbre de Dieu, planté par Soa, est notre arbre divin. Et si vous voulez en apprendre davantage à ce sujet, allez à la Bibliothèque Nationale. Est-ce la Bibliothèque Nationale de Mille Saisons? Je vais pouvoir entrer dans la Fontaine de Savoir, la chance, je me demande si je serai capable de conserver mon calme. C'est vrai. Non, je ne peux pas. Ces trésors de savoir m'attirent irrésistiblement. Albert, ça va? Allons-y. Oh oui, c'est parti. Tous à Mille Saisons. Ah, faut attendre 20 secondes entre les levels. Sinon, ça spam. Moult spam. Du coup, est-ce qu'il faut que je sorte de la ville pour aller à Mille Saisons, ou est-ce que Mille Saisons c'est le château? Le castel Mille Saisons, genre ici. Cerveau est en cours, on est plus tard. Très bien, je me casse. J'ai compris. Et fuyons vite. Fuyons. Mais on est à Mille Saisons, bordel. Faut que j'aille au palais cristal. Non ? Ouais, c'est là. Oui, donc faut que je revienne là. Faut que je revienne à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. On va rester là vite fait. Non, on va laisser la musique. Elle est vachement bien, la musique de Mille Saisons. La musique de Mille Saisons. Je vais me chercher un petit café rapide, comme d'habitude, et bien. Évidemment. Hop. Et hop. Voilà, je vous dis à dans 5 minutes. Ne bougez pas, on sait jamais. Il peut se passer des choses absolument incroyables. En 5 minutes. Allez, je me speed, à de suite.